deuxième partie dans l'analyse là, dans l'écrit, nous marquons. Jovenel Moïse rencontré avec Youla Tortue avant hier dans le Palais National. Jovenel Moïse, comme président de la République, il dit Youla Tortue, sa cassariole. Il dit président. Oui, oui, le président. Oui, le président. Yeah. Ok, président Jovenel Moïse. Deux présidents qui parlent. Ok, président Jovenel Moïse dit Youla Tortue, président du Sénat, sa cassariole de Dibefla. Qui ça dit? Ah, où j'aime qu'on sa cassariole de Dibefla? Non, ça garde le là. Oh, monsieur. Non, ok, on est là. Non, bon, je me connais. Ça, attendez, ça, son proverbe. Attendez, ça, son proverbe, oui, Aïsselier. Non, bon, je me connais, ça garde le diplôme là, non? Où j'aime dire ça? N'est-ce pas un grand dans ce proverbe, ça? Ça garde le diplôme. Cassarole, son nègre. Son nègre grand dans, oui. C'est grand dans. L'autre jour, tu as expliqué ça. Cassarole, pas joué. Même pourquoi j'aime jouer une baille. Cassarole. Cassarol, c'était un ancien macoute, on est dans l'armée, qui habitait dans la commune et Gandos. Depuis que si on bagaille, c'est fini. Oui, mais qui s'est dit, Bébla? Je t'explique ça l'autre jour. Ok, bon, mon petit coup de main. Bon, mon petit coup de main, oui. Bon, mon petit coup de main, nous-mêmes qui sommes auditeurs, parce que là, on me dans un petit coup de main. 44, 54. C'est mon ancien qui vient plus l'âge, qui a barré. Parce que l'autre jour, on côté, effectivement, il vient sur le dossier ça. Ok, on a les auditeurs, bon, mon petit coup de main dans le dossier ça, 44, 54, 54, 57. Bon, mon petit coup de main, qui ça cassarole de Dibef là? On a les. On a les. Qui ça cassarole de Dibef là? Bon. Ça, c'est la salle, ça va vous donner ce bout de l'absal. Ça le dit? Bout de l'absal. Merci en pile. On va continuer. Ça cassarole de Dibef là, et bon, mon petit coup de main matin, dans l'émission Matin Débat. Et bonjour, Matin Débat, bienvenue dans l'émission. Ça cassarole de Dibef là. Allô? Cassarole de Dibef là, comme ça, c'est la pluie tombée, il a fait bagaille. La pluie tombée, il a fait bagaille. Oui. Mais sans pile. Bon, mon petit coup de matin, hein? Qui ça cassarole de Dibef là? Ça cassarole de Dibef là. Bonjour, Matin Débat. Bonjour. Jasper, on allez. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ça cassarole de Dibef là. On allez. Bonjour. Oui, bonjour, mais parlez. Ça cassarole de Dibef là. Bon, comme la France dit à l'émission de Paris matin, ok, d'accord. Indiana, nous saluons. On va parler d'ailleurs. On va parler à midi. Ok, nous, là, nous avons un sujet bien spécifique. Qui ça cassariole? Mon grand d'assuré de Bébéla. T'es dit, Bébéla, allez. Oui. À ma connaissance, parce que c'est en Cayenne, je te dis qu'on sait que c'est l'air la pluie tombée, il faut qu'on descende à la vie. Bon, bon, de la vie, tiens, ok. Ok, ça casse le Dibef là, matin, nous avons un pauvre, ça fait garder sous lui, on nous fouille sous lui, bonjour, matin débat. Ça casse le Dibef là. Oui. C'est ce défi, nous fait un pays, nous fait du tout histoire créole, nous y mais quand ça y est, c'est Dibef là, tout pendant la pluie va tomber, d'ailleurs, pas la vie. Très bien, n'a pas avancé. Ça cassarole de Dibef là, bonjour. Bonjour. Bonjour, Louko. Bonjour. Ah ben, on va qui se plie, Louko. Il y a un film bon bal, on va faire ça après le coco. Mais, maman. Cassarole de Dibef là, Boundal Lapsal, tant que la pluie va tomber d'elle, va y en laver. Boundal Lapsal. Boundal Lapsal. Oui, c'est d'elle la salle pour le temps de la pluie tomber. Très bien, très bien. Est-ce qu'on comprend pas la fini? Très bien, merci en pile. On va continuer. Ça cassarole de Dibef là. Bon, 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 et interprétation par nous. Ça cassarole de Dibef là. Bonjour. Et c'est bon, madame. Nous là, chef là. Mon cher Cassarole de Dibef là, tout ça là, tout va tomber dans la ville Boundal. Très bien, merci en pile. Merci, on va continuer. 44, 54, 57, 57. On a encore deux appels. Et oui, chère madame, ça cassarole de Dibef là. Cassarole, c'était un monde qui a travaillé dans le plateau central. Ok, c'était l'Albéric Cassarole. Ok. Il était Dibef là, ou tellement mal propre, l'offre fait là ou sale derrière. Très bien. Très bien. Merci en pile. Voir ça, c'est madame Micheline Figaro. Et son mon important dans le pays. Classique. Et classique. N'a pas encore deux appels. N'a pas deux appels encore. Classique. Qui ça cassarole de Dibef là? On allait 44, 54, 57, 57. Nous dit ça déjà. Émission Matin Débat. C'est ensemble que nous faisons ça. Ok? Donc nous pas faire là avec l'autre monde. C'est nous-mêmes auditeurs avec nous-mêmes qui là, dans panel là, qui fait émission ensemble. Ok? N'a pas deux appels encore sous question ça. Bonjour, Matin Débat. Qui ça cassarole de Dibef là? Oui, Louko, Cassarole de jouer vraiment des plats. Il est joué, maman. Moïse, oui, c'est vagabondier. Très bien. Merci, Bill. On a continué. Et après, avant dernier appel là, bonjour, qui ça Cassarole de Dibef là? Cassarole de Dibef là, bonjour. Bonjour. Très bien, merci en pile, merci en pile. Eh bien, après le dernier appel là, et Isaac, qui ça cassarole de Dibef là?
Bon, merci beaucoup. Bon, et là, nous avons une définition. Cassayol de Tibefla, des bagailles. Et que nous retenons maintenant. Et Cassayol de Tibefla, des bagailles. Tout le temps, la pluie va tomber. Boudou va plaver. Et l'autre, la salle d'envoi. Et c'est Boudou Absal. C'est Boudou Absal. Ok. Tout soit fait là, c'est Boudou Absal. Boudou Absal, très bien. Tout soit fait là, c'est Boudou Absal. Très bien. Ok. Jovenel Moïse dit, il y a la tortue, ça casse le dit Bef là. Jovenel Moïse, comme président de la République, il vire le tourné, il n'est pas ni à gauche ni à droite. Il dit, sénateur, il y a la tortue, le président du Sénat, et il est au courant que l'a planifié un coup d'état parlementaire. Jovenel Moïse, président du pays, c'est clair tout ça. La droite sur lui, la droite sur lui. Il y a matin, ou même qui était ancien député qui chef tout. Sous ta en façon président qui dit ça. Qui ça ta première réaction? Jovenel Moïse, clair sur question, la droite sur lui, la tortue. C'est pour me dire nous. Je vois qui est là, c'est pour petit petit. Bataille qui est là, c'est pour petit bataille. Le président arrivé en façon président du Sénat, il dit ça directement. Mon qui fait politique connaît que Aristide, son nègre, l'or a fait politique et plutôt on qui parabole. La passe par en bas. Ok? Ouais. Mais là où on président a le droit de comme ça, elle dit que, pas rien jouet là. Elle dit que, l'icône toute bagaille, bataille a déclaré, pas rien jouet là. Ou même qui c'est chef, ancien chef, ancien député, souvent pas un président qui dit ça, direct comme ça. Le comme Massis c'est bagaille qui pire. Massis c'est bagaille qui pire. Maintenant, c'est président de la République qui parle avec président Sénat. Sénat, c'est clair. Deux présidents qui ont grande responsabilité. Maintenant, deux présidents tout qui condamnaient pour payer à bien marché. Non, je vais finir. Même si je vais finir, mais sénateur. Oui, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, madame. Son rapport de force là. Mes amis, madame, monsieur, c'est Goko Zek a parlé là, oui. Question qu'on y a. Comme nous avons attendu, nous connaissons Goko Zek toujours parlé. Ok? Mais même, c'est pas des menaces qui prennent là, non? Ok, n'est-ce pas sur téléphone, anonyme, et pas des menaces qui prennent. Non, 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 c'est bien matin. Quand il y a un photo, elle garde le rapport de force. Dans l'émission hier, là, dans la réflexion que nous avons fait, nous avons gardé la faiblesse du président Jovenel. Et nous avons gardé tout. Et ni hier, ni avant, nous avons dit. Oui. Les présidents font des cas comme ça. Il va sortir, il va égarer. Oui. C'est bon, mon foulier. Mais hier, nous te baillons conseil. Dans l'analyse, nous, moi, remarqué, ça nous te dit, ça me l'est fait. Mm-hmm. Parce que c'est vous-même qui avez une information. C'est bien. Guédébar, il me connaît, même pas, il me parle dans le micro. C'est bien. Là, nous finissons de tout bail, nous dit, 1er janvier, pas. Moins t'es dit. Mais c'est nous dit. Parce que là, que nous disons bagaille, puis matin disons bagaille. Nous, chacun responsabilité, nous, mais des fois, c'est force mission. Très bien. T'es dit, président Jovenel, là, nous finissons garder conseil de monde, il va y avoir côté. Dit, ah, Loko, attention. Président Jovenel, automatiquement, il est là, il est obligé de contacter toute équipe de HTK. Non, mais c'est clair. Parce que, écoutez, je veux dire, qui est-ce qui base? Louko, est-ce qu'on imagine qui cadeau? Hein? Qui cadeau? Quel que soit. Parce que pas blégué. Non, conseiller qui va coûter le président. Vous connaissez pas qu'à dire ça? Non, très bien. Écoutez, matin débat, c'est émission. Et l'idée est faite. Ok, madame, monsieur, laissez-moi vous dire. Matin débat, c'est une émission d'État. Ok? Ça fait nous-mêmes ici, nous prenons responsabilité. Dans tout ça qui a passé dans le pays, pour nous faire débat sur lui dans le matin débat. Et son gros responsabilité. Moi-même, le côté de Zimbabwe, je me change d'habitude, je change de comportement parce que moi, dans une situation qui est très fragile. Je n'ai pas mon téléphone, fait menace, je ne sais pas. Pour ça, émission, matin débat sur l'émission d'État, parce que je dis, il y a un monde qui est officiel de ce gouvernement, ou pas capable d'attendre matin débat. On a qui c'est député, sénateur, ou pas capable d'attendre matin débat, parce que il y a des informations que nous baillons dans l'émission matin débat, il y a des analyses que nous faisons dans l'émission matin débat, l'offre d'un débat, elle garde des bois dans la réalité. Donc, ça veut dire que je dis, pour qui ça, moi poser question, moi demander nous pour nous intervenir, parce que Jovenel Moïse, comme président de la République, vient droit sur Youri la tortue comme président du Sénat. Il dit, monsieur, nous connaît que un coup d'État parlementaire qui a planifié pour nous mettre en accusation.
et Jovenel dit monsieur que le pape jouait là, il pape jouait là. Donc, dit que le président dit 11 président du Sénat ça. Et président ça dit que le président connaît et c'est là où nous songe l'aime de parler de déclaration que le président fait en France là, c'est sous base ça il fait déclaration. Parce qu'il connaît que Youla Tortue qui ont entente avec la Vanas sous base rapport. Hein? Youla Tortue contrôle le CSPJ à travers la personne de Jules Cantave. Donc là dit que Jovenel Moïse comme seul pouvoir qui c'est l'exécutif pas qu'à jouer là. Il pas qu'à jouer. Maintenant, qui s'en va gagner comme conséquence? Nous t'ai parlé hier, nous dit que le sénateur La Tortue a sensibilisé le sénateur, également certains députés, pour le faire une assemblée nationale. Bon, bah, on dit, j'en vais le faire parce que le mandat est fini. Pour question mandat, Dieu et mandat, et député, et ce sénateur, pour ces, en résolution, pour ces parlements qui résolvent. Mais je dis à ça pour nous connaître, c'est que, dans face bataille là il est là dans un petit sénateur qui a sorti attendez émission ça faire connait pas aucune chance pour sénateur ça arrêter deuxième lundi du mois de janvier dans face bataille là il est là loco attendez attendez madame mandat pour qu'on finit madagues madame oui là la fin de dans deux semaines ah oui mais il faut qu'on finit non dans deux semaines après temps OK pas aucune chance pour on craint sénateur arrêter deuxième lundi du mois de janvier nous songeons de faire analyse ça déjà dans matin débat nous songeons. Et je dis que ce soit l'émission qui a gardé 1er janvier 2018. Ce soit l'émission qui a gardé 2e lundi du mois de janvier. Pas aucune chance pour 10 sénateurs à arrêter parce que notre phase bataille est là. Parce que Jovenel Moïse, pas aucun intérêt pour quitter 10 sénateurs pour mandat arriver jusqu'à 2019 qui gagne là dans 3 sénateurs de l'opposition, dont Beauplan qui est président de la commission, qui produit un rapport sous Petro-Caribe qui indexait le président de la République, qui était le président là. Donc, le président préféré là, perdu 7 sénateurs, parce que dans 10 sénateurs, il y a 7 sénateurs qui s'est PHTK, bien que, donc, regardez 7 sénateurs sortant pour Jacquito, il n'y a pas Jovenel Moïse. Donc, il était 6. Dans 6 sénateurs, vous regardez qui est-ce, qui n'y a pas Jovenel Moïse encore. Donc, Jovenel Moïse préféré perdu 7 sénateurs pour le cas expulsé, pour le cas libéré tête de 3 sénateurs, qui sont sénateurs de l'opposition, qui sont Beauplan, Don Gato avec le Capier. Donc, j'avais dit que, qu'on y a que ça qui va passer. Problème, nous t'es parlé de l'IA qui c'est, par exemple, fragilité dans le quorum, non? Mais écoutez, je dis, on est un coup clérier. Michel Clérier, faut que monsieur rentre. Faut que monsieur rentre tête parce que, m'a dit, qui très fort là, oui. Ok? Si, c'est pas sinon, Jovenel Moïse va le clérier quand même, il va le valider pour voir clérier. Qui va le binbali 20 sénateurs. Donc, débat sur question fragilité quorum, non? Devant international là, débat ça a tombé le fini. Mais ça me dit qu'il y a un tien grave là. Ou est-ce qu'il y a éliminé Clérier? Bon, si il y a opposition, parce qu'on a parlé de politique. Politique, c'est kiff, kiff! Politique, pas rien, reste là-dedans. Et pas moi, peser sur kiff, kiff. Homme, kiff, kiff là. Politique, c'est kiff, kiff! Maintenant, si il y a un nègre là qui a réfléchi, il dit faut nous abattre Clérier. Il a assassiné Clérier. Ça va passer. Si Jovenel Moïse, quand même, et pas sinon, il va le voir 10 sénateurs aller. Blanc parle de parce que le pays n'a pas arrêté ce parlement, pays n'a pas. C'est ça quoi. Mais Clérier, vu nos situations qu'on y a, Jovenel Moïse obligé de valider le pouvoir là. Pour assurer que la fragilité qui va gagner au niveau du Sénat, il va gagner. Alors, mais c'est une petite explication là. Pour qui ça? Yo dit, là, on fait toute considération ça, bon, lis ça, ma considération pour nous. Fort de ces considérations, il vous serait gré, monsieur le président, de sursoir, voilà, mes parties bien intéressantes. Ils parlaient de, ils font exposer, ok? Dans l'État, ils font exposer, ils parlaient de pouvoir judiciaire, ils parlaient de l'argent, de budget, ils parlaient d'exécutif là, et puis, ils ont dit, fort de ces considérations, il vous serait gré, monsieur le président, en parlant de Youla Tortue, de sursoir au processus de désignation des représentants du pouvoir législatif devant concourir à la formation du Conseil électoral permanent en attendant le fonctionnement normal des pouvoirs publics et pour éviter qu'il soit formé un Conseil électoral permanent de sélection tête calée, partisan et corrompu, il recommande alors les députés sénateurs des pourparlers
immédiat avec l'ensemble des organisations de la société civile sur la base des dispositions de l'article 289 de la Constitution du 29 mars 1987 aux fins de former un nouveau conseil électoral provisoire avec le mandat de finaliser le processus des élections des assemblées, le renouvellement du tiers du Sénat et l'organisation des législatives de 2019 pour le renouvellement de la Chambre des députés, le temps de diligenter une enquête sur les graves accusations de corruption faites par le président Jovenel Moïse à l'encontre du CSPJ et certains magistrats assis, de faire le suivi normal du rapport de la commission sénatoriale sur le fonds Petro-Caribé, de mettre en place les différentes assemblées qui pourront exercer leurs attributions constitutionnelles et de désigner un autre juge indépendant hors de tout soupçon et capable d'instruire les faits de blanchiment des avoirs dont M. Jovenel Moïse est inculpé. Car les propos tenus par le président jettent un discrédit sur l'assemblée de ses magistrats concernés, y compris le juge Brédy Fabien, chargé d'instruire les faits de blanchiment qui lui sont reprochés. C'est pour éviter au pays de sombrer dans la violence et l'instabilité politique. Espérant que vous allez accorder une attention toute particulière à cette requête, il vous présente, Monsieur le Président, leur patriotique salutation. Printemps Bélisère, député. Jean-Manès Louis, député. Jean-Robert Bossé, député. Bertrand Sinal, député. Et puis, et Roger Millien, député. Bon. Donc, opposition, et c'est ça que fait nous dire. En démocratie, qui ça gagne en démocratie? Comprends-nous? Oui, en démocratie, c'est opposition hein, qui baille le ton en démocratie. Ah, mais mon frère. Maintenant, c'est normal parce que. N'est-ce pas fait politique? Pas de problème. Et. Yo moutro que yo fait politique, mais c'est ça seulement pour yo. Parce que yo pas en majorité depuis où il passe nos décisions. Yo tombé. Madame, monsieur, moi dis déjà émission matin débat, faut toujours suivre émission yo parce que faut qu'a comprendre émission qu'a fait là. Ça c'est suite émission hier là, c'est suite émission avant hier là. Qui ça nous dit? Nous dit tout hier également avant hier. Il y a un bras de fer là entre les trois pouvoirs. L'exécutif, parce que je dis, hein, le législatif et le judiciaire, ils mettent tout ensemble. Puis ils campaient en face pouvoir. Et Jovenel Moïse, nous te dit ça hier, besoin d'un moment, on a parlé là de bons stratèges. La petite pause, n'a pas tourné, pas viré bouton, non, parce que pour nous capables de venir avec analyse qui a rapport avec correspondance, ça, que 5 députés de l'opposition, pour la valance, qui est élu sous Bagné Lavalas, a dit que adressé à You la Tortue, je dis, hein, qui campait en face de Jovenel Moïse. La pointe vous a tourné, pas viré bouton radio. Kamikaze Group, Radio Télé Club, High Profile Entertainment et Radio Télé Caraïbes présente le bal des grands avec David Dupont et DJ Zeni réunis sur scène avec le groupe Compact Créole pour une soirée unique à Caribé Hôtel le vendredi 29 décembre. Animation musicale, DJ Stags venant directement de New York, DJ Bullet et DJ Steezy. Maître de cérémonie, Atis Poche et Succès Junior et Créé Maman Junior. Pour réservation de table, appelez au 509 37 52 00 32 et pour toute autre information, contactez-nous via email à kamikazellc81@gmail.com. Le bal des grands avec Combat Créole le vendredi 29 décembre à Caribé Hôtel, un rendez-vous de fin d'année incontournable. Bonne nouvelle. Pour cette fin d'année, Radio Télé Éclair et Asian Top Homo vous abordent une soirée différente et spéciale. Cristal. Ce 28 décembre à 2 Rock La Boule 11, un festival de rêve qui commencera à 2h pour les plus jeunes et 9h pour les adultes. Tous vos artistes et DJ favoris seront là. Wendy. Baki, BJ, Isolin, Méchanceté, Kasumi, TPO, Trouble Boy, T-Shirt, Illégal, Young Fresh Brown.
Eno DJ, Magic Kenny de New York, Valmix, Steezy, K9, Ted Bounce, B-Mix, DJ Queen, DJ Nal, DJ Anthony, Stuba and Mr. Mario. Accompagné de nos DJ de la nouvelle génération et notre invité d'honneur, le fameux DJ violoniste venant de Los Angeles, D-Sharp. What's good, Haiti? I am D-Sharp, and I cannot wait to come and party with you guys on December 28th for Crystal. 28 décembre, à The Rock, La Boule 11, ne ratez pas cette occasion. Achetez maintenant vos tickets à $25 US dans les points de vente suivants. Gamebox, Kayatou, en face Université Kiskeya, Radio Télé Éclair, Munchies, Paris H-Pam, Player Claudine, Wally, Hot Rock.ht, Nice Fit, Adonai Studio, Ticket Express. Sponsorisé par Ainet, Ecotech, Sky FM, Tropic SA, Paris H-Pam, Player Claudine, EPSS Formation et Service, D-Light Fresco, Vibe FM, IT Sheetwork, Hot Work, Feu Vert Prods, Belle Couleur, HPS, DV Records. Dans le moment, ticket à prix spécial. Pas oublier, toujours consulter nous sur toutes les réseaux sociaux pour qu'on ait qui prix que ticket à l'en joue. Ou qu'on toujours follow nous sur Asian Top Promo ou bien sur Radio Télé Éclair. Pour plus d'informations, relez nous dans 36 21 64 14 38 00 80 00. Bam yon ti limye, pou mwen sa ka pase. Woy, pou ki sa fè noa sa? A pase tout kote, a mouche David, mèm la kaywa tou, ba sa enervan. Non mouche, nte. Anan te, ou pa sou mwen gare, ou pa te de Ecotech la, ge koukouj de ye fè noa. Sorti 1er décembre, rivé 15 janvier, passez dans n'importe market, Kekari, Oswa, Biro, Soch Express, prends un poule rechargeable Ecotech Pola pour 300 gouttes seulement avec une garantie avec. Sorti là, 300 gouttes plus une garantie, c'est sortant de là. Mandez pour boîte plastique verte Ecotech là, qui est hologramme original Ecotech là sous l'île. Partez encore, sorti dans fait noir, tonton. Oui, prends un poule magique Ecotech Pola, je dis à même parce que stock là limité. Ah! Kouniam koubrin mouche, pou malde pam nan. Pour plus information, relez-nous nan 903-0303. Soti lundi, rive vendredi, de 10h du matin, rive jou, 8h aswe. Oswa, visite site internet nou, www.ecotechenergie.com. Créole là, toujours avec vous, en tout temps et en tout lieu, pour faire danser les fans, toutes les dates sont bonnes. 25 décembre est une très bonne date pour fêter Noël à la Kaina Hotel. La Kaina Hotel 12, le club pour danser créole le 25 décembre, 125 à Fumarasa. Attention, moun pas de bouquet, moun la pleine santé, les environs, pas braté bal ça. Créola, 25 décembre, 125, addition 750 coups à l'avance. 25 décembre, ça, c'est là devant la dé. On dit la Kaina Hotel Club, on dit Créola, et moi, je m'arrête là. Disons mieux, on s'arrête là. Yes, I turn me on, Lee turn me on, quand je le marche, quand je le bouge. Yeah. Haïti, mes bouteilles là. Gâche le campé. Pour chercher force avec énergie. Pour sentir le chéquillon. Mais ça m'étonne ça. Extrême red vin fleur. Red à cadeau. L'enfin boire un red. Ti bouteille rouge ou un. Gardez un babouchon. Sans jouer dans ses pao. Passez dans n'importe qui dépôt qui dans zone côté. Réclamez primo. Un babouchon moins red. Quand on a joué 250, 500, 1000 gouttes, ça va en rien. Mais regarde toujours, oui. Téléphone, télévision, frigidaire, freezer, et puis il y a moi tout, oui. Alors, soit ton courriel pour Extreme Red Paula, parce que c'est cadeau qui a plaï. Thème à condition applicable. Extreme Red, P-Red. Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Matin Débat. Eh bien bon, les enjeux sont de taille. Alors, il y a des gens qui ont réagi là sur son comité carnaval là. Mais, de vous donner des comités nationaux, mais c'est pas le presse. C'est pas le presse du carnaval là. Ok? Et, de façon, on a suivi nous. On a regardé pour nous. Ok? Nous, non, l'être député, yo,
5 députés qui sont là qui écrit à le sénateur Yuri La Tortue. Est-ce que là bien matin pas un problème de vice de forme? Parce que est-ce que député pas doué écrit chose comme président de la Chambre des députés pour demander chose écrit Yuri sous ça pour nous? Est-ce pas ça la doué administrativement? Ma forme? Enfin, non, bon. Yeah, ouais. Administrativement, oui. Donc, c'est chose peut-être écrit. Administrativement? Oui, administrativement. Mais, il y a un move politique qui fait. N'est-ce pas politique? Monsieur, ouais, politique belle. Où est-ce que ça, Louko? Nous, nous, on a parlé de bas et l'aide qui a passé. Quand on a parlé, ça belle dans la politique. Là, on est parlementaire. A fait travail ça. Il a fouillé, il a saisi n'importe quelle opportunité, il a belle position. C'est ça, nous, elle est la bonne. C'est bien. Et ça, non, ça nous est là, on a rappelé bien matin, on a dit que, et, une information, baba, nous, là, qui va le faire nous trembler. Ah oui, qui va le faire nous trembler. On a rappelé, bien sûr, lui, dans qu'on analyse là. On a rappelé, nous, que, bataille là, déclarée là. Et elle a pris forme chaque jour. Qui bataille qui est là, son bataille? PHTK, Jovenel Moïse. En face, Lavalas. Et, AA. Ok, donc you la tortue avec la valasse, you entendent sous bataille ça contre PHTK. Donc comprenez-vous? Donc mes raisons qui fait ouais, députés qui n'ont opposition au niveau de la Chambre des députés, you prend au mot Jovenel Moïse qui font déclaration à Paris sous question juge, et you écrit you la tortue pour mandel pour le camper sous processus, choisir moun qui pourra le faire partie dans le conseil électoral permanent qui parle représenter parlement. Maintenant, alors, qui s'entend? Alors, nous t'a dit. Et yo dit le bien matin dans l'état, c'est sous base que Jovenel sont inculpés et yo mandé pour une commission. Non, mais c'est la bonne politique. Justement, non, c'est, alors, ça, c'est ça. Alors, nous devons rappeler ça pour nous situer le débat. Jodia, ouais, des machins, parlementaire a fait bonne politique. C'est pas pareil, coup de poudre. Oui. Et bagaille. Oui. Jouer. Trahison. Ben, il n'y a qu'à écouter langue. Non. C'est ça qui a fait débat. Ça, c'est la bonne politique. Maintenant, nous avons dit que politiquement, président Scholzer. Donc, administrativement, il t'a donné. Oui. Maintenant, maintenant, il a fait politique. Je sais parlementaire. Donc, lui, c'est président assemblée. Très bien. Est-ce que je vais appeler Dora, oui? Donc, il a écrit directement. Oui. Très bien. Parce que, Yogi doit penser, président Scholzer, pas fait, mais Yogi doit penser, c'est écrit président Scholzer, avant l'écrit et tout, oui. C'est là qu'il doit faire un titan. Il faut un titan, très bien. Exactement. Oui. Très bien. Parce que, président Scholzer, c'est président Chamdanlier, mais c'est vice-président à ça. Oui. Sous base ça, Pierre Martin, est-ce que Yogi l'a tortue sur le plan administratif, il n'est pas supposé écrire Nego pour dire que, il n'est pas qu'à recevoir les plans? Non, parce que c'est. Non, et qui a fait discussion en base ou pas nous raison dans l'émission matin débat, parce que je dis à ou faut comprendre justement, parce que bataille Jovenel là dans les bons batailles qui pitient, et nous dit ça encore, m'a répété encore, Jovenel a besoin de bons stratèges là au niveau de l'Assemblée des députés, qui a de bons stratèges. Si Albert a son gros stratège au niveau du Sénat, qui a de gros stratèges, et Valère Beauplan son gros stratège, Youla Tortue son gros stratège. Donc bon entente entre la balance. Mais dis, on ne tape pas alliance, non, on tape contre la balance. Et, Yuri La Tortue. N'a pas le mal. En la personne de Yuri La Tortue. Parce que, pas oublier que, ça pour nous, comme on dit, opposition, il n'y a pas dans la rue, d'ailleurs, nous, que la rue a crasé. Pas que l'opposition, il n'y a pas de manifestation. Mais par contre, l'opposition maintenant, ok? La fête n'est pas le mal. La fête n'est pas le mal. Et ce n'est pas le mal, l'idée de faire démocratiquement. Oui? Démocratiquement. Parce que, ouais. Là, tout le monde, là, c'est parti politique qui calme l'élection. Justement. Et bien, c'est ça que fait, même là, et moi économique ou t'as des gouvernements chita avec parti politique, mais c'est parti politique qui vient et lui n'a pas le justement. Maintenant Jovenel Moïse, notez pour moi tant pis, Jovenel Moïse, moun qui pensait que il va gagner face là et que Jovenel va gagner face, pas vrai.
Jovenel a une opposition musclée en face lui au niveau du Parlement. Et déclaration ou bien position en France là, vient cimenter opposition. Opposition, ça, très bien. Et c'est lui-même qui cimente lui. Maintenant, l'être ça. Non, mais. Oui, lui-même qui cimente lui. C'est lui-même qui active l'opposition là. Et l'être ça, bien matin, ok, il vient confirmer un temps qui gagne entre Youla Tortue et la balasse. Sous base rapport. Mais pour qu'ils ne soient pas dit. Non, monsieur Scholzer, non pas hier. Ah bon, nous t'expliquons hier. Ou intelligent, Bill. Non, mais. Faut vous retourner, expliquez-moi encore pour qui ça. Madame, monsieur. C'est la suite, là, non, justement, madame, monsieur, ça fait que. Ouais, toujours citer Youla Tortue. Ok, et non déplaise à mon ami Youla Tortue. Ok, parce que là, c'est un personnage important dans le pays. Ok, son analyse. Il y a des captains de capitaine de map cité, il y a passé ses problèmes. Non, non, non. Et que ma foi analyse, son analyse politique. Youla Tortue, ils sont présidents d'une assemblée, ils sont leaders politiques. Très intelligents. Pas capable de dire pour analyse, mais c'est de nos. Mais très intelligents. Okay? Mais maintenant, ça pour nous connaître. Non, monsieur. Maintenant, ça pour nous connaître, c'est que opposition musclée qu'en face de Jovenel là, il va jouer de petit là, non? Petit là même. Même si nous, on est dans la rue, il n'y a pas de manifestation. Et que mobilisation, il y a quatre, pour les massacres, pour les Moïse, Charles, pour les Moïse. Ok? Mais Jovenel Moïse, en présence dans opposition, qui est très musclé et opposition, ça c'est un déballement lié. Bataille là retourné dans le Parlement, mais c'est dans le Parlement même. L'idée doit faire. L'idée doit faire. Avant. Avant la rue. Oui, parce que c'était un bagage qui chappait Parlement démocratiquement. Oui. Que le président Jovenel, la partie de position, vienne permettre que qu'on y a la fête. La fête. Maintenant. Pour combien de jours maintenant, pas oublier. Pas oublier. Pas oublier. Pour ça, je me dis, parce que Charles Chancy, comme vice-président de l'Assemblée nationale, secteur privé, ligué, ouais, Charles très prudent. Et Charles des fois, qu'on prend en pile pression, non, mais Youla Tortue. Oui, Charles qu'on prend en pile pression, non, mais Youla Tortue. Mais Charles était tête frette. Charles a harmonisé. Charles faut, c'est pas Youla Tortue. Charles a géré Jovenel. Mais depuis non bail businessman bail secteur privé oui monsieur te kon yo te kon chita déjà te kon réfléchir ensemble te kon parler business ensemble position qui très fragile c'est ça fait me toujours parler de Youla Tortue pas parler de OK maintenant moun qui a critiqué Youla Tortue faut que men di nous pas critiquer Youi parce que Youi c'est un fin politicien et Youi jodi a gen deux gens li connaît quel li ka président d'ailleurs Youi t'a essayé faire stratégie pour le président en place privée. Ah oui. Il a fait stratégie ça. Il connaît le cas président de Jean. Il est président à partir de la transition avec les postes sénateurs qui gagnent. Ok? Il est président à partir des élections. Maintenant, mon cas critique est Youla Tortue. Écoutez, parlerez parce que tout politicien qui a un grand objectif, c'est la conquête du pouvoir. Ça c'est clair. Nous devons nous clair sur ça. Maintenant, l'opposition qui est en face de Jovenel là, je dis, elle est très musclée, elle est au niveau du Parlement. Parce que je dis, Jovenel est en face de Youla Tortue, président du Sénat, chef de parti politique, et qui gagne une entente avec un parti qui bat des moindres, qui c'est la balance. Maintenant, est-ce que Jovenel Moïse, qu'on a pas de capacité pour qu'on fasse opposition ça? Est-ce que Jovenel Moïse, comme président, pas de capacité pour ne pas quitter opposition ça, mettre dans la tête? Mais, route cap prend là, c'est route ça. Parce que, l'être ça, écoutez, pas oublier, son lettre qui peut le mener quand même. Si Jovenel Moïse pas fait attention vers la mise en accusation. Parce que, depuis Youla Tortue, campant quoi comme pouvoir législatif, pour dire que, quand c'est l'électoral là, ils font camper sous, soit membre qui peut le représenter parlement au niveau du conseil électoral permanent, Jovenel Moïse prend coup. Jovenel Moïse prend coup parce que, qu'on y a, en termes de crédibilité, ils viennent pas capables d'avancer avec question conseil électoral permanent, donc faut que nous garder ça qui va passer là. Alors c'est le premier bagaille dans l'analyse matière. Mais ça va passer. Quand il y a président Pralton, à ce que le Parlement retourne en janvier, chef député entré en janvier, parce que il y a majorité pour la jouer sous majorité. Parce que c'est plus gros avantage, et plus gros avantage qui vient dans même, et majorité. Majorité. Donc, et c'est vrai, opposition, chef député a. APQ a demandé accusation, mais c'est sûr qu'il n'est pas jamais capable parce que
Il y a opposition. Il y a avantage. Très bien. Mais maintenant, attends de voir parce que nous, dans la politique, nous n'avons pas de changer demain matin. Ok. Ça, c'est le premier aspect. Nous analysons, madame, monsieur, qu'on a aller sur le deuxième aspect. Et c'est là que nous avons information. Matin débat. Les grands dossiers.